Bonjour à tous, donc voilà, je vous fais une petite vidéo sur les Acanthista mexicana. Donc ici, vous avez une femelle adulte avec l'otek qu'elle a pondu aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre un peu l'otek. Donc c'est une otek blanche, enfin pardon, blanche, blanche jaune, on va dire, plutôt jaune clair. Et ici, vous avez la sortie des jeunes. Hop, on va essayer de vous mettre ça en bonne qualité. Hop, voilà, vous avez la partie où vont sortir les jeunes. Voilà, donc ça, c'est une otek qu'elle va pondre. Je vous fais la petite. Bon, là, c'est pas accroché. Mais elle va pondre l'otek de manière à la faire tomber un peu comme un stalactite, donc vers le bas. Et vont éclore les petits de cette manière. Voilà, donc je vous fais un petit zoom sur la femelle. Donc la femelle va être plutôt. Ça va ressembler vraiment au menthe fleur, hein, aux hyménopoïdés. Donc plus Théopropus, Creobotter et Pseudo-Creobotter. Tra plutôt. Et on va vraiment avoir ce démarquage vraiment vert marbré tout le long. Hein. Voilà, donc ça c'est une femelle qui vient de pondre. Et je vais vous montrer donc du coup les petits jeunes qui sont nés chez moi hier. Donc j'ai eu deux otèques qui ont éclos, une de 11 jeunes et une de 22 jeunes. Donc voilà, donc je les ai séparés en bah, du coup par lot de 11. Hein, on va dire que c'était plus pratique. Voilà. Donc les jeunes sont dans des compartiments séparés avec des drosophiles. Donc j'utilise soit de la toute petite Heidi, donc c'est une souche que j'ai moi à l'élevage qui a rétréci naturellement. Donc une toute petite souche de Heidi. Sinon on va utiliser plus de la Mélano. Hein. C'est vraiment une toute petite espèce qui a besoin de manger des petites proies. Voilà. Donc pour cette espèce, on va être, ben, pour l'élevage, on va être plus aux alentours des 20, 24-25 la journée. On va pouvoir monter jusqu'à 26-27, voire un petit peu plus, pas au-delà de 30, ça va faire un peu trop chaud. Et ensuite, vous allez pouvoir, avec un petit arrosage pour les jeunes, les maintenir. Personnellement, je vais vous montrer, moi j'ai pas besoin de mettre ni de substrat ni autre chose, je le répète encore une fois pour mes espèces, je ne mets pas de substrat car la pièce est déjà à 61% d'humidité. Le matin, on est même à 70%. S'il y a des vidéos que je vous fais tôt le matin, bah, vous verrez vraiment, on sera avec un pic à 70 voire 80% d'humidité. Donc j'ai vraiment pas besoin de rajouter des substrats en plus, ça serait parfois trop humide pour les espèces. Voilà. Donc du coup, là vous avez vos jeunes, vous avez mis à manger, bien mettre de quoi leur permettre de grimper, de se suspendre, et faire attention, voilà, à ce qu'il n'y ait pas de cannibalisme ou qu'elles ne stressent pas trop. Voilà. Pour ce qui est des mamans, on va rester sur une boîte Braplast avec tout simplement, là il y a des feuilles, enfin des branches de chêne ou de salal de plantes que j'ai gardées des phylliums. Voilà, après vous pouvez mettre ce que vous avez qui vous irait le mieux. Voilà. Pour ce qui est de la maintenance, donc droso jusqu'à quasiment les trois derniers stades. Pour les deux avant-derniers stades, on va être sur de la mouche Pinkies et vous pourrez peut-être éventuellement mettre de la mouche classique à l'âge adulte. Il faut savoir que ces mantes-là ne mangent pas vraiment de grosses proies. Elles sont toutes petites. La femelle adulte fait environ 3 cm, donc c'est pas bien gros. C'est vraiment tout petit, donc peut-être même rester que sur de la Pinkies, ça pourra aller. Voilà. Pour ce qui est de l'éclosion, hop, je vais vous montrer juste après avec la vidéo. Vous allez voir, tout simplement le maintenir pareil dans un pot à roseau tranquillement, ça suffit amplement. Voilà. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo rapide, juste pour la maintenance. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est une espèce parthénogénique, donc il n'y a pas de mâle en France dans nos espèces. Peut-être après, il peut y avoir des souches avec des mâles, mais bon, c'est un peu plus rare. On a vraiment un peu comme chez le Phyllium philippinicum. Giganthéum, pardon, des souches avec que des femelles, donc du coup, voilà, dans l'élevage, le mâle est pas présent vraiment. Attention, certaines otèques, même si c'est une espèce parthéno, peuvent être dites stériles, car l'espèce, en fait, à force, peut avoir une dégénérescence génétique, et ben, les otèques, même si elles éclosent, ne pourraient pas être viables, dans le sens où les jeunes mourraient au bout d'une semaine, ou voilà. Vraiment, il peut y avoir ce genre de cas. Voilà. Donc bon voilà, c'était une toute petite vidéo vraiment rapide pour vous parler un peu de l'espèce. La vaporisation chez les jeunes, c'est une à deux fois par jour, rien de plus. Voilà, là on les a ici, ça ressemble à des toutes petites fourmis. Donc voilà, vous pouvez très bien les laisser en boîte à droseaux par lot de 5 ou 10 par pot. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à me poser des questions si vous en avez, à liker bien sûr la page.
et la chaîne, et puis à vous abonner si vous souhaitez plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous à tous, à bientôt pour une autre vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et restez chez vous. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub.